Allez, salut à tous les amis. Aujourd'hui, nous sommes, je sais plus quand. Là, on est le 15 novembre, sous un joli temps d'automne avec de la flotte, mais bon, il en faut. Donc là, aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle petite vidéo sur une configuration du frelon asiatique, comme d'habitude. Donc le grand palmarès revient comme d'hab. Hein. Frelon européen, il est pas mal, mais l'asiatique est très bien dans le domaine. Vous allez voir pourquoi. Regardez, donc là, une belle petite forêt, des belles feuilles et surtout un joli nid en pleine activité. Regardez ça, ils se sont foutus dans une roue. Ouais, dans une roue. Donc là, nous allons procéder au traitement. On va se dépêcher parce qu'il pleut. Hein. C'est pas que j'aime pas la pluie, mais bon, au bout d'un moment, ça va 2 minutes. Voilà. On vient de procéder au traitement. Donc comme je le dis assez souvent à cette saison, les nids sont loin d'être vides, bien au contraire. Regardez. Pourtant il fait quoi, une dizaine de degrés, il pleut, le frelon asiatique est encore bien actif. Donc là, le frelon se lèche, ensuite il va ingérer l'insecticide et ils vont mourir. Regardez une belle fondatrice là par terre. Voilà. Vous avez vu? Donc on n'est pas encore rendu à la fin de la saison. Donc moi je pense que pas avant mi-décembre, on commencera à arriver sur la fin du frelon asiatique. Et voilà, il est beau le lavabo. Voilà, tous les insectes par terre. Ok. Bon allez, c'est pas que je m'ennuie, mais là je suis en train de me tremper la tronche. Donc merci à mes clients et à très bientôt pour de nouvelles aventures les amis. Ciao ciao. Et la fin du frelon asiatique, c'est pas pour tout de suite, regardez ça. Donc tous les petits frelons noirs, ça c'est des ouvrières et c'est des frelons qui viennent juste d'arriver hein, pour entrer au nid. Allez bye bye.